Dévastée après sa condamnation, la veuve de Bernard Tapie prend la parole. Je suis tombée des nues en apprenant ça. En plus, je ne connaissais rien à toutes les affaires, à tous les procès. Ça reste tellement incroyable la somme. J'avais un petit appartement dont j'avais hérité à 25 ans de ma grand-mère. On me l'a vendu il y a 6 mois. Tout va partir comme ça. J'hallucine. Du matin au soir, j'avais des commissaires-priseurs qui épluchaient tout. J'étais tellement fatiguée, je n'arrivais pas à dormir. J'en voulais à Bernard de me retrouver dans cette situation. J'ai tenu. J'avais envie de dormir, j'avais envie de ne plus penser.